Dental Monitoring est aujourd'hui le leader mondial en télémédecine appliquée aux dentaires. Qu'est-ce que nous faisons? Nous permettons aux dentistes de synchroniser la délivrance du soin avec le besoin de soin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire permettre à l'orthodontiste, l'implantologiste, le dentiste, en règle générale, de savoir ce qui se passe dans la bouche de son patient pour pouvoir le voir au bon moment, pouvoir faire cet acte de soin vraiment quand le traitement le demande. Aujourd'hui, Dental Monitoring, on est une boîte, on peut dire internationale, parce qu'on est dans plus de 50 pays aujourd'hui, dont le produit est délivré dans plus de 50 pays, avec de la présence physique dans plus de 18. La moitié des effectifs en France, donc à peu près 250 personnes en France, principalement focusées sur tout ce qui est R&D, innovation. Donc nous avons vraiment des centres de recherche à Paris, dans le sud de la France et dans le Jura. Et on est très fiers de grossir ces équipes. La caisse d'épargne, c'est une relation historique qui nous a permis déjà de nous développer parce qu'ils investissent chez nous. Ils vont faire un investissement de plus de 20 millions d'euros aujourd'hui pour nous aider à continuer cet investissement à la fois en recherche et dans notre expansion internationale. Donc ça, c'est je pense son rôle primaire en tant que banque de financement dans l'innovation. Une problématique que certaines licornes ont, c'est la gestion de la trésorerie. C'est pas forcément facile aujourd'hui de positionner dans les marchés de façon intelligente sa trésorerie. Donc la Caisse d'Épargne nous a accompagnés à sécuriser notre trésorerie sans prendre de risque, parce que c'est l'argent d'investisseurs hein, et on n'est pas là pour prendre de risque sur leur argent. Donc d'avoir des politiques d'investissement non risquées, flexibles et intelligentes. C'est une très bonne question. C'est vrai que le matin, quand on se réveille et qu'on se dit qu'on est licorne, bah on est fier déjà, hein, surtout pour les équipes. Les équipes, elles sont galvanisées, elles vont dans tous les sens, elles sont hyper heureuses parce que c'est l'accomplissement quand même d'années de travail, ça ne s'improvise pas. Maintenant, c'est aussi beaucoup de responsabilités après, parce que ça veut dire que des gens vous ont fait confiance, que ce soit vos clients, vos investisseurs, bah, vous ont dit bah, « c'est bien, mais il va falloir que tu continues, que tu prouves encore d'aller plus loin ». Donc, beaucoup de responsabilités et on aime ça. On a envie d'aller encore plus loin, de plus fort. Et je pense qu'on prend le défi à bras le corps et on va continuer. Donc, licorne, ouais, c'est cool.